La mère de Yumi a été entendue durant près de 2 heures hier soir sur sa vie de couple et sa séparation avec Anthony Gaudry. Son ex-compagnon l'a aussitôt appelée après la chute de l'enfant. Elle ne s'en remet toujours pas. Elle a dit à la barre « n'importe quel parent aurait sauté du pont pour sauver sa fille. Il ne l'a pas fait. » On s'effondre. On n'y croit pas. Je pense que n'importe quel parent, que ce soit un papa ou une maman, s'écroule en entendant qu'on vient de perdre son enfant. On se dit c'est pas possible et malheureusement on s'en rend compte sous le choc un ou deux jours après. On se dit mais en fait c'est vraiment ça et votre enfant ne reviendra plus jamais. Plus jamais. Il est parfaitement impossible que ça soit un accident. On a senti les choses monter crescendo. Il savait qu'il allait perdre la garde de sa fille. Et il était rentré en guerre contre ma sœur. Il s'est servi de sa fille pour faire du mal, de manière définitive, irrémédiable. Ce matin, de nouveaux témoins ont été entendus. Un ami d'Anthony Gaudry déclare « Sa fille, c'était toute sa vie. Pour lui, c'est une bêtise, une inattention, d'autant plus qu'il avait prévu de l'emmener au marché de Noël et à Disneyland. » Et si c'était tout simplement un drame de la connerie humaine qui était à l'œuvre dans cette affaire? Voilà, un truc, quelque chose d'absurde, mais qui ne veut pas dire à la clé punition pour la mère. Hier soir, Anthony Gaudry a reconnu la gorge nouée, les poings serrés. C'est vraiment un drame, mais j'ai encore du mal à mettre des mots dessus. Verser des larmes sur commande, je ne peux pas, à cause de cette putain de souffrance.